C'est Fanny Gobrek, salut, on se retrouve pour une vidéo tuning de la Hustler, donc une voiture qui est présente quand vous avez une copine, elle a cette voiture et à un moment elle vous laisse les clés, du coup vous l'avez. Donc il n'y a pas grand chose à tuner sur cette voiture, mais bon, vu que c'est une voiture assez spéciale, je vais quand même le faire. Donc alors, une couleur, on verra ça après. Jante. Ah, je sais ce qu'on va mettre comme jante. Ah non, pas celle-là. Les twists là. Ça pourrait changer un petit peu. Ou les Warriors. J'hésite. En fait, si vous voyez pas trop la différence, c'est les mêmes jantes. Sauf que celles-là, elles sont plus petites que l'autre. Qu'est-ce que sinon, ça s'agrandit plus. Donc, les Warriors. On va pas mettre d'hydraulique. On va mettre couleur. On va mettre quelle couleur? Blanc. J'ai pensé en marron comme ça. En vert, oh, c'est horrible. Quelle couleur? Franchement, j'ai du mal à trouver la couleur. Un petit bleu au pire, non, pas bleu. En blanc. Comme ça ou comme ça. Comme ça. Voilà. Donc c'est déjà fini. Mais bon, j'adore cette. J'aime vraiment bien cette voiture. Ah, c'est une vieille voiture quand même. Donc, je trouve que les jantes comme ça va vraiment bien avec cette voiture. Parce que les autres, ça fait trop course. Et celle-là, faut pas voiture de course. Faut plus voiture d'exposition. Bon, par contre, le bruit. Oh, le drift! Ah, elle est géniale pour drifter cette voiture! Ah, ça paraît pas, mais. Celle-là, elle me fait penser à la voiture dans GTA 5. Bah, c'est un peu la même style, c'est un peu le même style de voiture. Vous savez, je sais plus comment elle s'appelle, la voiture la plus rapide du jeu, la plus chère du jeu, pardon. Je sais plus comment. Mais elle a un truc aussi derrière, là. Pas une roue, mais. Et c'est un peu le même style de voiture. Je sais que c'est la voiture la plus chère du jeu. Bon, je la mettrai en annotation, sûrement, parce que je vais la trouver. Je la mettrai en annotation ici, vers là. Donc, comme ça, vous verrez le nom. Comme ça, si vous dites quelque chose.